la loi climat et résilience de 2021 vise à meilleure prise en compte des sols dans les politiques urbaines et en particulier dans la planification. Donc c'est l'enjeu premier de cette loi, enfin dans son volet urbanisme en tout cas, et elle oblige à plus de sobriété foncière et elle revoit l'approche de l'artificialisation. Pour la mise en œuvre de ces objectifs et de cette nouvelle approche, certains ajustements ont été apportés avec la loi dite ZAN de cet été et 3 décrets qui sont parus en novembre. Le zéro artificialisation net, c'est replacer les sols au cœur de l'aménagement du territoire. Au passage, il ne faut pas oublier les autres objectifs de l'aménagement, logement, développement économique, transport, résorption des inégalités. Il ne s'agit pas d'abandonner ces objectifs, mais chercher à y répondre autrement que par la dégradation des sols. Y répondre autrement, c'est en premier lieu réinterroger ses besoins, c'est ensuite prendre conscience de ses ressources pour faire autrement que par la dégradation des sols. Une crainte souvent avancée avec le zéro artificialisation net, c'est que cela mette les territoires sous cloche. En réalité, les études qu'on réalise à l'Institut nous montrent que les ressources des territoires sont variées et différentes en Île-de-France pour s'engager dans la sobriété foncière. Si la zone dense pourra s'appuyer plutôt sur le développement des transports en commun ou encore le recyclage des friches pour produire des quartiers sans artificialiser, les territoires ruraux vont disposer de ressources différentes. Entre une vacance souvent plus prononcée, des espaces de stationnement parfois surdimensionnés, d'anciens bâtiments agricoles aujourd'hui obsolètes, ou encore des parcelles assez généreuses qui peuvent encore être densifiées, les ressources existent. Pour autant, l'objectif ZAN fait toujours l'objet de débats. Et ce qu'on observe, c'est que c'est l'aspect comptabilité en fait, qui prend le pas, qui a pris le pas sur les enjeux environnementaux. Je vais prendre un exemple. Les espaces de pleine terre, donc comme les jardins de l'habitat ou comme les petits espaces verts, sont considérés et comptabilisés comme des espaces artificialisés dans la nomenclature ZAN. Pour autant, et au-delà de cette classification, il peut être pertinent de préserver ces espaces pour que le territoire soit plus vivable, pour qu'il soit plus résilient. Et il y a des outils réglementaires qui existent pour cela, des outils plus qualitatifs, donc il ne faut pas les occulter. Dans ce cadre, l'Institut Paris Région est au service des territoires pour s'y retrouver dans la jungle réglementaire, qu'elle soit nationale, régionale ou métropolitaine. Et le cœur de notre travail, c'est d'accompagner les territoires pour développer des projets de développement respectueux des sols. Qu'il s'agisse de diagnostiquer l'artificialisation, le renouvellement urbain, la pleine terre, l'îlot de chaleur urbain, les continuités écologiques, qu'il s'agisse de travailler sur un document de planification ou un projet à l'échelle d'un territoire ou d'un quartier, nous développons les outils nécessaires à la prise de décision. Thank you.